Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue pour un nouvel épisode, une nouvelle session de Reflection of Life, le fuseau du destin édition collector. J'espère de tout cœur terminer ce jeu avant de partir aux Pays-Bas. On va essayer, c'est pas garanti, mais bon, on va faire de notre mieux parce qu'il a l'air assez long. Dans le précédent épisode, on a bien avancé, enfin en tout cas on a passé le premier royaume, malheureusement des créatures se sont manifestées et donc on a dû fuir à travers un portail et donc on se retrouve dans un nouvel endroit et je ne sais plus trop ce que je devais faire. Si. Il y avait un coffret solaire, j'avais donc là des symboles, la lune éclairera ce bas-relief, ok, très bien, ici. Si c'est la fleur artificielle dont parlait Olivia, il me faudra une fleur de cristal pour l'ouvrir. J'ai besoin d'un objet fin et plat pour retirer cette statuette sans l'endommager. Est-ce que j'ai ça? J'ai le fuseau du destin, mais je pense que ça va pas marcher. Chaîne dorée, lire. Un objet rond pour l'ouvrir. Non. Ah oui, alors attendez. Ok, c'est quoi ça? Méduse brillante. D'accord. Très bien, très bien. Donc il me manque quand même une pierre. Et alors, où est-ce qu'elle est? Ah! J'ai déjà vu ces symboles, mais je sais pas comment les interpréter. Ok, donc... Le V. Chabol. Tac. Oh. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Cette eau trouble cache peut-être quelque chose, mais sans lumière, impossible de savoir quoi. Il n'y a pas de symbole ou un truc à récupérer ici. Non. Beaucoup trop lisse. Ok. Alors, on a un remède et on a un tampon. Je sais plus ce que je dois faire d'autre. Je pense qu'on va retourner en arrière. Donc le fuseau, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Ah oui, il y avait quelque chose d'enterré. Mais j'ai rien du tout, hein. Là, j'ai un nouvel objet, une nouvelle partition. Très bien. Ici. J'ai besoin d'un emblème de forme spéciale pour récupérer le couteau. Ouais, ça ressemble à un truc très chelou quand même. Hein. Parfait. Déjà, au moins une pelle pour enlever tout ce qu'il y a là. Très bien. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Ouais, le symbole de lune. Très bien. Je pense que là, maintenant qu'on a quasiment débloqué tous les trucs un peu compliqués, là, ça va s'enchaîner assez vite. Hop. Je n'irai pas très loin en tâtonnant. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Une orbe déchargée. Où est-ce que je peux la mettre à recharger, l'orbe?
Ok, alors. Un indice, please. Non plus. Non. Non plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est bon, j'aurais besoin d'un petit élagage. Mais oui, mais... Au secours! Comment je fais pour élaguer? Pas le remède qui va aller avec. Oh, bordel! C'était aussi simple que ça? Vraiment? Bon, parfait, et du coup on va mettre la forme de goutte. Bien. Hop. Allez, c'est pas grave. Partie de statuette. Ah, c'est pas ça. Évidemment. Évidemment que le jeu va pas être simple, sinon ce serait trop facile. Tac. Emblème de couteau, très bien. Donc, maintenant qu'on a l'emblème, on va pouvoir aller ici. Tout ça pour juste récupérer un couteau. Vraiment, ça me fatigue. Ok. Jeton d'étoile. Pour obtenir un artefact mortel, suivez ces étapes. Prouvez que vous êtes capable de faire face à vos responsabilités. Prouvez-vous à vous-même de quoi vous êtes capable. Accrochez les fils sur les points assortis à reconstituer les motifs des deux images. Oh. Alors, attendez. Attendez. Réfléchissons, réfléchissons. Non plus. Déjà, ça en fait une, deux, trois, quatre. Ah non! Je déteste ce genre d'énigme. Moi, j'arrive jamais à faire les. À faire ça. Comme système à chaque fois, moi je me flingue. Ah! Ok. Allez, on retente une dernière.
Non. Non, je vois pas. Non. Bon, je vous retrouve dès que j'ai bien avancé. Ok, bon. Je pense. Peut-être trouver un moyen, mais c'est pas sûr. Ça me saoule parce que je sens que je suis pas loin. Hein. Je sens que je suis pas loin, mais je déteste ce genre d'énigme. Ça me gonfle à chaque fois. Donc j'essaie de faire au mieux, mais c'est jamais très concluant. Vous voyez, par exemple, celui-là, si je fais ça, du coup, celui-là, il rentre pas du tout. Il rentre pas du tout, parce qu'il faut pas que ça se croise. Donc, tac. Là, ça marche. Ah, attendez. Ok, je viens de comprendre. C'est un effet miroir en plus. Et demain. Alors maintenant, pour le deuxième, ça va être plus coton. Ça va être plus coton. Non. Nope. Alors là, donc on est bon. On est bon. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire dès le départ en fait. J'aurais dû séparer celui-là. Oh, me dites pas que je vais devoir tout reprendre. Ah! Non, oh, crotte de bique. Ah non. Oh, le jeu est assez malin. Très bien. Très bien, très bien. Alors attendez, comment j'avais fait mon truc? Alors, déjà. Non. Déjà. Là, ça me paraît logique. Ensuite. Ok. 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 Très bien. Ouh. Bon. On est bon. Yes. Ta-na-na-na-na-na. Besoin d'un objet fin et plat pour retirer cette statuette. Ah oui, c'est vrai. Très bien, très bien. Du coup, on a récupéré une méduse brillante. Que je sais pas à quoi elles vont servir les petites méduses. Les petites méduses. Est-ce qu'on peut les mettre là? Ah oui, ok. Let's go! On va pouvoir monter. Salle de vérité. Trouver la salle de vérité. Ok. Activer la statue. Je sens que ça va pas être si simple que ça. Rien ne va être possible avec cette bête qui me grogne dessus.
tâche de faire quelque chose avec elle. Très bien. Là, il y a des pierres que je n'ai point. Faut que je réfléchisse stratégiquement. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais, faut que j'aille là-bas, on est bien d'accord. Est-ce que je peux lui donner la baballe? Ah, attendez. Un peu de musique. J'ai ce qu'il faut. Parfait. Ok. Maintenant qu'il est endormi. Regardons ce que nous avons là. Si je trouve une chaîne, je pourrais y accrocher quelque chose. Très bien. J'aurais besoin d'un tissu pour me protéger les mains. Est-ce que j'ai quelque chose comme ça? Non. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Oui, objet métamorphe. Un autre objet métamorphe. Ici. Serait-ce une reproduction du fuseau du destin? Fuseau, pardon. Très bien. Le coffre est fermé à clé. Ah, crotte de pique. Ici. On dirait un emplacement pour recharger un orbe. Très bien. Il manque deux statuettes, évidemment, pour compléter. Ici, on a une scène d'objets cachés. Ça tombe bien. J'ai le tampon. Alors, tac. Alors, je crois qu'on est bon. Passons à la suite. Là, ici, nous avons le petit travailleur. L'orque. Hop. Le doigt. Les oiseaux. Et une tente. Nickel. Pam 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 pam. On a récupéré une clé. Bien, où est-ce qu'il y avait un coffre? Je me souviens plus. Je suis perdu, les amis. J'ai pas le souvenir qu'il y avait un coffre. Ah, mais oui! La truelle? Très bien. Parfait. On a récupéré, du coup, une partie de ce qui nous manquait. Maintenant qu'on a fait ça. On a la statuette. Il nous manque toujours un coffre à ouvrir. Je sais pas où est-ce que ça peut être. Oh, je l'avais pas vu!
J'imagine que vous aviez, je suis sûr, vous les aviez vus tous en mode « Ouais, c'est là !» Allez tous me le dire en commentaire. La robe. Mais oui, la robe, excusez-moi. Le temps que je tilte. Très bien. La statue n'était pas tout à fait entière. Qu'est-ce que c'est ? Lentille jaune. Ok. La lentille jaune, nickel. Et donc là, on a les deux personnages. Parfait. L'orbe étincelant. Où est-ce que peut aller l'orbe ? Ici ? Non. Si c'était aussi simple, tout le monde le serait. Si c'était si facile, pardon. Je modifie les paroles de... Les paroles en mode tranquillou. Est-ce que je peux le donner ? Non. À quoi va nous servir cette orbe ? Ouais, c'est vraiment pour lui donner au moment où elle aura plus le... Où elle aura besoin juste de, du truc, quoi. Il n'y a pas 10 milliards de trucs à faire, en vrai. Hein. Très bien. Bon. Je crois que j'ai raté une partie, mais c'est pas grave. La clé. Une pointe pyramidale. Ouais, c'est ça la pointe pyramidale. Cristal de mana. Oula. Trouver les paires de symboles. Bon, ça va, c'était pas excessivement difficile. J'imagine que vous aussi, vous l'aurez facilement trouvé. L'orbe. Mais oui! Jeton de soleil. Un ouroboros. Sommet de la pyramide. Parfait. Nickel. Hop là. Fuseau artificiel. Donc là, on va pouvoir le mettre. Qu'est-ce que c'était ? Oula ! Encercler les éléments naturels avec le fuseau. Chaque tour, déplacez-le sur une case vide. Ok, d'accord. Okay.
Comment je fais? What the fuck? Et c'est la version standard, s'il vous plaît. Oh, il va m'énerver ce jeu. Il va m'énerver ce jeu. J'ai le droit de passer, vraiment. C'est bon. Ok. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Eh bah écoutez, on va continuer dans le prochain épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, partager avec vos amis. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à ciao, bye. Pouce bleu, abonnez-vous.